La cinquième étape du jour entre Rakovo et Bogotsé emmène les concurrents de la Transorientale vers le Kazakhstan. 294 km de spécial, une spéciale très difficile dans les premiers kilomètres, notamment pour les pilotes moto. Dans cette catégorie, c'est de nouveau Katrinak, le numéro 2, qui s'en sort très bien, confortant avec sa troisième place du jour, la première du classement général. Toujours derrière, Ulvalsetter, mais qui a pris 20 minutes de pénalité sur le parcours routier. Le grand vainqueur du jour, c'est le numéro 3, Kolomitsyn. Tout a commencé hier. Malheureusement, j'ai fait, comme on dit, un peu de jardinage. Hein. Je me suis un petit peu perdu. Et je crois que j'ai perdu 45 minutes. Bon, aujourd'hui, ça a été difficile. Je me suis un peu énervé, mais bon, je voulais vraiment remonter. Les buggies n'ont pas été à la fête aujourd'hui, mais malgré tout, Monterdé sauve l'essentiel, c'est-à-dire 40 secondes d'avance grâce à une troisième place. Deuxième, attention, le laiton continue. Sokals, numéro 214, termine deuxième de cette spéciale, une spéciale remportée par le Français. Les Français ont été très forts aujourd'hui, 8 dans les 10 premiers. Et Nicolas Gibon, avec le numéro 206, gagne cette épreuve avec son bowler. Ah, très bien, on a fait juste une petite erreur de navigation, où on a fait 2 km tout droit et on est arrivé au cul de José-Louis Montardé. On a fait demi-tour, on est retourné sur la trace. On s'est retrouvé derrière De Roy, qu'on avait déjà doublé plutôt dans la spéciale. Et on a fait 3-4 km derrière lui. Et après on l'a redoublé et je pense que José-Louis a été un peu plus embêté que nous. Voilà, et puis donc a priori on fait le scratch. Les calculs sont simples dans la catégorie camion. Les trois premiers du jour sont également les trois premiers du classement général de cette transorientale toujours aussi disputée dans la catégorie des poids lourds. Troisième De Roy, deuxième Chagin sur Kamaz et le grand vainqueur du jour, le numéro 400 sur Amman, Hans Tassé, qui occupe toujours la première place de la catégorie avec cette fois plus d'une minute d'avance sur Chagin. J'aime vraiment beaucoup la compétition, mais pour l'instant, il est encore trop tôt de faire des prédictions. On peut tous avoir un problème. Ça a été le cas de Khabirov aujourd'hui qui a perdu une demi-heure. Ça peut arriver à tout le monde. Ça fait partie du jeu. Quand j'ai commencé à faire le Dakar, on comptait les écarts en heures. Aujourd'hui, après 5 jours de rallye, c'est une minute et quelques secondes. C'est incroyable.